Amendement numéro 46, présenté par Monsieur Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Par cet amendement, nous souhaitons moderniser le fonctionnement de la justice à la hauteur des exigences de notre société démocratique. Nous proposons donc que les délibérés du Conseil d'État, Cour suprême des juridictions de l'ordre administratif, soient publics, ainsi que les votes de chacun des membres de sa formation de jugement. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, c'est une disposition qui me semble fortement inspirée de ce qu'on peut retrouver dans les États anglo-saxons, notamment aux États-Unis, et qui ne correspond pas à notre conception de la justice. Et si l'on peut favoriser la publicité des débats de justice, et donc c'est l'objet de tout cet article 19, donc on reste attaché tout de même dans notre système français au secret des délibérés, dont l'objet principal et dont l'objet historique, c'est d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions. Donc c'est une... Le secret des délibérés, c'est une garantie de liberté d'opinion du juge, une condition de respect de l'article 6 de la CEDH sur l'indépendance et impartialité des juridictions saisies. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Schellenberger. Oui, c'est quand on en arrive au débat de fond sur la construction des institutions de la République qu'on se rend compte de la supercherie qui est la vôtre. À la France insoumise, Monsieur Bernalicis. Parce que on a en France, avec la République, une conception du droit, de la justice, à laquelle nous sommes particulièrement attachés. On rend la justice au nom du peuple français. Ce ne sont pas les juges in situ personae qui rendent des décisions, ils les rendent au nom du peuple français. Et les propositions que vous faites, que ce soit sur les articles précédents, avec cette volonté de mettre en place un système d'humiliation publique, avec... une vision très intrusive du système juridique, elle tend à mettre en place un système à l'anglo-saxonne. Alors moi, je ne vous connaissais pas aussi libéral que ça, à la France insoumise, mais pourtant c'est un système juridique hyper libéral que vous nous proposez, alors que le système français doit être fier d'être un système qui est construit autour de l'idée de la République et autour de l'idée de la place du peuple français dans les décisions de justice telles qu'elles sont construites. Je vous remercie. Alain Touré. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais profiter de cet article pour souligner la très grande qualité de la procédure devant le Conseil d'État. Il se trouve, lorsqu'il y a eu la loi sur la prescription, que j'ai été amené à rencontrer d'abord le rapporteur, ensuite le président de section, ensuite la section entière et ensuite toutes les sections du Conseil d'État. J'ai été entendu pendant 19 heures. Pendant 19 heures par le Conseil d'État. Je doute que devant les autres juridictions, il en soit de même. Et la façon de procéder, c'est-à-dire établir un rapport et établir ensuite des possibilités de voter sur chaque aspect du litige ou de la proposition qui est faite devant le Conseil d'État est absolument unique et exceptionnelle. Nous avions organisé, lors du dernier quinquennat, une réunion avec le Conseil d'État et l'ensemble des responsables qui voulaient bien être intéressés par cette procédure. Et je crois que ça en a été unanime pour souligner la qualité de cette procédure et je tiens à la rappeler ici. Je vous remercie. Donc, Monsieur Bernalicis. Oui, je vais répondre. Si le secret, pour nous, c'est dans l'exposé des motifs, je ne voulais pas aller jusque-là pour ne pas vous ennuyer, mais si le secret du délibéré, qui est initialement entendu comme les échanges entre magistrats qui se mettent d'accord pour prendre une décision, est un principe général de droit, reconnu depuis 1843 par la Cour de cassation et 1922 par le Conseil d'État, il empêche toutefois le peuple de comprendre pourquoi une telle décision a été effectivement prise. Ceci prend d'autant plus d'importance, et c'est là pour nous le point important, qu'il s'agit d'un jugement de Cour suprême qui s'impose à toutes les juridictions de première instance et d'appel. Et pour répondre à mon collègue Schellenberger, bon, cette transparence des décisions publiques et la fin du secret du délibéré a par ailleurs constitué une conquête révolutionnaire, c'est-à-dire par les lois des 16 et 28 septembre 1791, au plein cœur de la Constitution de la République. Donc je n'ai pas l'impression que ce soit hyper libéral et anti-républicain. C'était relative à la police de sûreté, la justice criminelle, l'établissement du jury. Et que d'ailleurs, le secret du délibéré est rétabli par la Constitution du 5 Fructidor en 3 en 1795. Autre ambiance. Donc vous voyez bien dans quelle filiation ou lignée...
nous situons. Voilà, on pense que pour les jugements de Cour suprême, non mais Conseil constitutionnel et Cour de cassation et puis le Conseil d'État, il puisse être intéressant d'avoir la totalité des échanges et des avis des magistrats. Alors, Alexandra Louis. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur cette proposition finalement d'avoir accès au secret, de briser ce secret des délibérés. Moi, je dois rappeler l'attachement que nous devons avoir à ce secret des délibérés pour préserver l'indépendance des magistrats qui prennent ces décisions, qui puissent décider en leur âme et conscience, avec tout leur professionnalisme, sans la moindre influence et à l'abri de toutes les mouvances qu'il peut y avoir dans la société. Je crois que c'est très important de le préserver. Je sais que dans l'un de vos amendements, vous évoquiez, mon cher collègue, notamment ce qui peut se passer dans d'autres pays. Moi, je veux rappeler que, par exemple, la CEDH, le secret du délibéré est préservé. Et je crois que c'est fondamental. Quand on veut préserver l'indépendance de la justice, c'est aussi qu'on veut préserver l'état de droit. Et c'est dans cet esprit-là, en tout cas, qu'on a construit ce secret, justement, des délibérés. Donc, je voudrais réaffirmer notre attachement et dire mon inquiétude, en tout cas, quelle qui serait d'aller petit à petit diminuer ce secret des délibérés. Parce qu'aujourd'hui, ça sera la Cour de cassation, le Conseil d'État, et demain, on arrivera à finalement exposer des juges et à altérer en tout cas la qualité de la justice. Et je crois que c'est important de la préserver dans un état de droit. Merci. Je vous remercie. Monsieur Touré, brièvement. Oui, juste pour faire observer que si l'on veut véritablement avoir le secret du délibéré, il faut permettre les opinions dissidentes. On avait interrogé en particulier le président Fabius sur ces problèmes d'opinions dissidentes. Il y a actuellement une position négative qui se fait, mais à mon avis, ce serait un grand progrès en matière de transparence de permettre aux magistrats de rompre avec le secret pour cette opinion dissidente. Je vous remercie. Bon, bon non, on va peut-être voter quand même, non ? Je m'en doute. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 46 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 47, Monsieur Bernalicis. Oh, je pense que je vais avoir pour celui-là le plein soutien, au moins du collègue Touré, visiblement, puisqu'il propose que tout membre du Conseil d'État qui a pris part à l'examen d'une affaire a le droit de joindre à la décision soit l'exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. Voilà, c'est un repli par rapport à mon amendement précédent qui vise à ce qu'il y ait minimum de publicité du délibéré, au moins par la publicité d'opinions séparées, concordantes ou dissidentes. Merci, Madame la rapporteure. Même avis. Oui, on est encore dans une conception très anglo-saxonne des débats dans les cours suprêmes que nous n'avons pas en France, donc un avis défavorable. Madame la ministre, merci. Pas de demande de prise de parole, donc je mets aux voix directement l'amendement 47, qui vient de recevoir un avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 44, Monsieur Bernalicis. C'est la même philosophie, mais pour la Cour de cassation. Et si je ne vous dis pas de bêtises, le 45 est le même que le 47 aussi, appliqué à la Cour de cassation sur les opinions séparées, concordantes ou dissidentes. Je vous remercie. Donc, avis défavorable, m'indique-t-on. Très bien. Donc, je mets aux voix l'amendement 44 qui vient de recevoir un avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Donc, le 45, même avis, même vote, il n'est pas adopté.